C'est un motif de satisfaction pour les cheminots d'Outre-Tunnel. Après deux matchs livrés, deux victoires, quatre buts marqués et un but encaissé, les cheminots sont satisfaits. Qui a mis du rythme, qui a été intéressant dans le jeu, elle nous a mis beaucoup en difficulté, elle nous a fait douter. Et comme je dis toujours, les remplaçants font souvent la différence. Et à double titre, si elle a fait la différence, et en plus sur coup de pied arrêté, donc on ne va pas faire la fine bouche ce soir, on est content, on a pris 3 points. Les prochains matchs des Fillettes face au tout-puissant Mazembe Anglebert dans les derbys louchois ce jeudi 30 septembre 2021 ne fait pas du tout peur au Banalumpa qui veulent retrouver leur classe d'antan. Équipe et tout, nous en promettons vraiment. Moi, je suis venu à Morona, je suis à deux matchs et deux victoires. C'est-à-dire, tout dans l'équipe Mouzouri, par rapport à la saison passée, par rapport à ma saison en Guinée-Guinée, ma batterie était parce que quand marche aussi mais c'est ma équipe il veut parmi ma 3 premiers mon Ligue nationale de football vraiment déjà dans le quoi match en ouf ça équipe du quoi équipe adverse bah le fond moi mot c'est pas tout une mais le pourquoi déterminer pas qu'à à bébé il est victoire et merci merci beaucoup bah joueur hein quoi comité et enfin pour que tout une match. Déjà 6 points sur 6, l'équipe du FC Saint-Rol Popo annonce de nouvelles couleurs, un bon comportement sur terrain et dans les gradins d'une équipe patronnée par Jacques Yaboula Kate, gouverneur de la province du Haut-Katanga.